Les Mayaimi, également appelés Maimi, étaient des Amérindiens qui vivaient autour du lac Miami, aujourd'hui le lac Okeechobee, dans la région de Belleglade, en Floride jusqu'au XVIIe-XVIIIe siècle. Le nom actuel Okeechobee est dérivé du mot Ichiti, qui signifie « grande eau ». Les Mayaimi ont construit autour du lac Okeechobee des monticules de terre pour des cérémonies semblables à ceux de la culture du Mississippi et des constructeurs de monticules antérieurs. Une ville fort peuplée et quelle incroyable pile de terre! Soulever une telle masse a dû prendre des années et une main-d'œuvre de plusieurs milliers d'hommes. Ne recevant aucun écho dans la presse, il s'est retourné vers son ami et ancien président américain Thomas Jefferson. Mais l'idée de mettre en lumière une structure urbaine indienne ne correspondait pas aux objectifs politiques de l'époque. En 1869, le Big Mound, un large tumulus, a été rasé. On ne connaît pas le nom du lieu donné par les contemporains. Le nom Cahokia est donc impropre. Il provient de la déformation d'un toponyme employé par un peuple qui vécut après la disparition de la cité. Le site de Cahokia, une superficie de 8900 hectares, se trouve à proximité de la confluence de trois cours d'eau, l'Illinois, le Missouri et le Mississippi. Ce secteur est appelé American Bottom. Alors voici le site Miami Circles. Donc c'est un lieu historique en plein centre-ville, entouré d'immeubles, de nouveaux chantiers. Donc c'est au bord de la mer, enfin, du rivage tout du moins. Alors vous voyez, c'est entouré d'immeubles. Mais voilà, ce site-là est un site amérindien. C'est un site donc historique où il n'y a aucune inscription. Donc si vous ne savez pas que c'est un site historique amérindien, donc c'est pas indiqué. Donc j'imagine que ici ça a été refait. La surface, elle ne doit pas être d'origine. Le site même de Miami Circle, le vrai site, doit être en dessous de cette pelouse. Il faudrait creuser, faire des travaux archéologiques pour déterminer vraiment sa datation et puis aussi la fonction du lieu, mais ensuite recouvert. Donc construit autour, donc en fait on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Et ce site là, c'est pas indiqué sur place que c'est un site historique. C'est incroyable vu que il est dit que ce site de Miami Circle, c'est au moins 2000 ans. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est plus ancien que ça encore. On dirait qu'on a voulu cacher ça. Parce qu'imaginez-vous bien que si on prouve qu'il y a plus de 2000 ans, il y avait des civilisations développées à Miami, ça remet l'histoire en cause. D'autres hypothèses parlent d'observatoires astronomiques. Certains de ces tertres sont groupés, entourés d'une levée de terre, alors que d'autres sont isolés. Au XIVe siècle, les autochtones cessent leur activité de construction, leur culture disparaît mystérieusement, peut-être à cause d'un changement climatique ou de conflit. Les Mayaimi ont creusé beaucoup de canaux, comme d'autres travaux de terrassement, pour les utiliser comme chemin avec leurs pirogues. Les pirogues étaient de type plateforme avec des extrémités en forme de pelle, ressemblant à celles utilisées en Amérique centrale et aux Antilles. Mais les Séminoles ont dit déjà
que c'est ceux qui ont fui la nation Creek. Parce que les Creek, la nation Creek, c'était plusieurs peuples. Et donc on voit bien les différentes ethnies. Et donc là, en l'occurrence, ce sont des Cherokees. Là, c'est un guerrier indien de la côte est des États-Unis. Donc là aussi, c'est un Cherokee. On voit qu'il y en a qui ont la peau très noire et qui ont les cheveux curlés, des fois lisses, et d'autres qui ont les cheveux crépus. Mais donc, il n'y a pas un seul phénotype de noir dans tout le continent américain. Mais quand la nation Creek a éclaté, certains ont fui la nation Creek et se sont réfugiés donc en Floride, et c'est là où on trouve les Blacks Séminoles. La première utilisation connue du terme Séminoli provient d'un agent des Indiens britanniques dans un document daté de 1771. Les débuts de la tribu sont vagues, mais les archives montrent que les Creeks ont envahi la péninsule de Floride, triomphant et assimilant ce qui restait des sociétés précolombiennes de la Confédération des Creeks. Le mélange des cultures est évident dans le présent à cause des influences de la langue chez les Séminoles. Plusieurs langues, Muskogéen, notamment le Hitchiti, le Creek et le Timucuan. Donc les gens croient que les Séminoles, c'est une ethnie, alors que Séminoles, ça désigne juste les peuples amérindiens qui ont fui la domination Creek, des Indiens Creek, de la nation Creek. Linguistiquement, le terme Séminole provient d'une corruption du mot espagnol cimarron, comme je l'avais dit. Les Creeks qui se trouvaient dans ce qui est maintenant l'Alabama et la Géorgie, qui est au nord de la Floride, étaient connus pour incorporer dans leur culture les tribus qu'ils avaient conquises. Certains Africains fuyant l'esclavage de Caroline du Sud et la Géorgie fuient en Floride. Hein, qu'on veut toujours nous faire croire que soi-disant les gens allaient vers le fuyaient vers le nord, vers les États du Nord, vers le Canada pour être libres. Pas du tout. On savait jusqu'à pratiquement 1930, il y avait des endroits qui n'étaient pas encore sous contrôle des États-Unis ou des Espagnols, de qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est vraiment au début du XXe siècle que, et encore, que vraiment toute la Floride fut administrée. Donc c'était vraiment une terre de marronnage. Certains Africains fuyant l'esclavage de Caroline du Sud et de Géorgie, donc fuyaient en Floride, attirés par les promesses de liberté. Alors, les Espagnols leur promettaient soi-disant la liberté aussi s'ils se convertissaient au catholicisme. Mais bon. Mais ils trouvaient leur chemin dans une tribu. Donc, on peut dire que, en gros, les Africains allaient se réfugier chez des Amérindiens. Voilà, pour fuir certaines plantations. Donc, les populations qui ont été réduites d'abord en esclavage et qui ont d'abord été déportées alors vers l'Europe, vers l'Afrique et vers donc qui est passé par le monde musulman. Tout ça, bien sûr, c'est occulté, hein. On nous dit que d'abord, on a emmené des Africains, mais là, au contact des Espagnols, on voit que il y avait déjà des Noirs sur place, des autochtones. Donc les Latino-Américains qui sont Noirs, ils sont pas Espagnols.
Il faut comprendre que les dessins qu'on voit avec les plumes sur la tête et les pagnes, ça c'est typique des Amérindiens. Ensuite, quand on regarde aujourd'hui les gens qui sont appelés Afro-Américains et qu'on regarde des anciennes gravures, des anciennes photos, gens qui sont reconnus être des natifs américains, des autochtones, on voit bien que en fait beaucoup de Afro-Américains ne sont pas des descendants d'Africains déportés, mais sont des descendants tout simplement des autochtones noirs d'Amérique. Parce que Vous avez évoqué l'esclavage des Amérindiens comme l'esclavage des Africains. À quel moment l'esclave a-t-il été assimilé à l'Africain? l'esclave va être assimilé à l'Africain tout simplement en raison des flux d'esclaves. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, dans le recensement de 1671, on fait état d'environ 4000 esclaves africains et d'une cinquantaine d'esclaves amérindiens. Donc à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup d'esclaves amérindiens. Alors, il y a une première considération que l'on voit notamment dans les chroniqueurs. Les chroniqueurs indiquent que les esclaves amérindiens sont bons pour cultiver la terre, ils sont bons pour être domestiques, pour chasser, pour pêcher, et bon, voilà. Ils disent aussi, en gros, une référence, je pense, à leur état sanitaire, où ils souffrent beaucoup des maladies, et notamment d'une maladie qui est la fièvre jaune, qui a été introduite donc en Amérique, en général, et aux Antilles en particulier, par les Africains. Et les Africains ont une immunité naturelle plus grande face à cette maladie que les Amérindiens. Lorsque finalement une maladie est en contact avec des populations non immunisées, il y a un accès de virulence qui se développe. Et du coup, si on regarde un peu l'Amérique, on se rend compte que les Amérindiens et que les populations d'origine africaine se sont développées. Et donc l'idée que l'on voit notamment dans tous les récits de voyageurs, de chroniqueurs au XVIIe siècle, ils disent oui, mais les Noirs sont plus adaptés au climat. Et sont les populations qui survivent le mieux, ce qui est le cas. C'est-à-dire que le taux de décès est moins important chez les Africains, les Amérindiens, que chez les Européens. Et donc va se développer l'idée que voilà, l'Africain est adapté à ce climat, est adapté à ce travail. Et ensuite, pour obtenir des esclaves amérindiens, il faut opérer des razzias. C'est très compliqué. Sans un commerce structuré comme en Afrique, avec des chasseurs d'esclaves locaux, c'est pas possible. C'est-à-dire que, voilà, il y a une offre d'esclaves qui est beaucoup plus importante du côté de l'Afrique parce que le commerce d'esclaves est organisé, structuré, où il y a des échanges marchandises contre des hommes, alors que pour l'Amérique, voilà, ça se fait par razzia. D'ailleurs, à un moment, on explique qu'il y a une expédition française, donc envoyée sur ce qu'on appelle la côte ferme, enfin, c'est-à-dire l'Amérique continentale, ils ramènent trois esclaves. Au début du 19e siècle, un agent des Indiens d'Amérique expliqua ainsi le mot Séminole signifie fugitif ou cassé, d'où applicable à tous les Indiens du territoire de la Floride, car ils se sont tous échappés de la nation Creek. Alors ça, c'est une explication d'un agent désigné par les autorités pour correspondre avec les autochtones amérindiens. Donc, c'est en partie vrai. On l'expliquera parce que aussi la Floride était une terre des Cimarrones. Et les Cimarrones, effectivement, c'est un mot qui signifie ceux qui vont vite comme les flèches. Donc, en même temps, c'est pas très loin parce que les flèches, c'est relié aux Amérindiens. C'est très connu. Et en plus de ça, on mentionne le fait qu'ils se seraient échappés de la nation Creek. Et donc, en même temps, c'est une terre où les esclaves qui étaient dans les plantations fuyaient pour aller se réfugier parce qu'ils savaient que
dans les Everglades. C'était une terre de marronnage. Donc ça peut s'expliquer aussi comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ce qui vient d'être dit par cet agent. Donc on voit que il y a un lien avec le mot cimarrán que les Espagnols ont entendu à Hispaniola quand ils ont demandé comment les habitants de l'île s'appelaient. Ils ont entendu cimarrón, c'est devenu maroon et marron dans les langues anglaises et françaises. Au début du XVIIIe siècle, des pillards de la province de Caroline envahirent le territoire à plusieurs reprises, incendiant des villages et capturant ou assassinant des membres de toutes les tribus de la Floride. Jusqu'à la pointe sud de la péninsule, ils ont vendu les captifs en esclavage destinés à des marchés, allant de Boston à la Barbade. En 1710, un groupe de 280 réfugiés de Floride comprenant le cacique de Miami est arrivé à Cuba. En 1738, les Miami avaient un fort sur la côte sud de Cap Canaveral. Comme il est dit, c'est un Indien américain qui serait un natif de Floride. Les Espagnols et les Portugais arrivèrent et donc ils exploitèrent les Amérindiens qu'ils appelèrent Indios et qu'ils assimilèrent au mot Moro, donc les Maures, ou alors même parfois ils les appelaient Negro. Donc par rapport à quoi? Par rapport à leur ressemblance avec, dit-on, les Éthiopiens, par rapport à leur teint. Les guerres séminoles ont accru la présence militaire américaine dans les Everglades, ce qui a entraîné l'exploration et la cartographie de nombreuses régions non enregistrées auparavant. Houston Gators. Got them. Shit, that nigga just died. He went under, you saw? You heard him, he's right there. Go over there by the other side, we could catch him. Hurry up. Look at that big fucker. Away.